Certificat 83, réseau information. Bonjour, bonsoir pour tout haïtien qui connecté tout partout sous la terre. Mesdames, messieurs, on a les bruits chargés, pas campés. Djakout nous chargés, coulés bas. Cause yon gen tan apsimaye à terre. Mes nouvelles là en détail. Jean-Michel Balance alias Grand Black qui gen sous au bois tête 33 l'année. La police n'a pas mette en bas code. Yon ta accusé comme quoi il ta fait partie groupe gang. Kaze barrière, pourquoi il est là? Population rentre dans commissariat mi balaya. C'est ça oublié ou pas fait. Et monsieur prend BK et garçon pas campé. C'est depuis week-end la coalition Genève la déployé en bas la ville. Gros coup de balle a tiré division pété en dans coalition ça. Équipe qui a formé sacré les vivants ensemble dans la saline. Et monsieur pas de pitié pour personne. Grand monde tant que timoun passé en bas bal portail Saint-Joseph pour arriver tout côté gen gros magasin en bas la ville là. Zone ça est praticable dans moment n'a pas là. C'est gros coup de balle qui a chanté suite à division qui pété en dans Genève et puis gros bataille qui pété en dans équipe coalition vive ensemble. De l'autre côté, il y a directeur police nationale qui veut parler de France LB qui chita parler avec plusieurs pays, surtout dans l'ONU. Il y a pile monde qui décide de porter la main forte pour aider la police nationale dans le dossier équipement et puis aider Goumen par rapport à bandits qui ont crasé le pays. Du même coup, il y a une chambre député ou bien encore pays Kenya valoriser le déploiement de force militaire dans le pays. C'est jour qui a compté pour Kenya débarquer. Pour aller courir, pour aller rel, kaima, korel et gen il y a moun ki déjà dit l'itelèl tétan pour Kenya débarquer dans le pays d'Haïti. Gen Rosemon Jean qui frappe très fort équipe Ariel là, il accusé de toutes sortes suite à levé frappé qui gagne dans le pays. Il fait qu'on est tout, c'est capable gouvernement qui mette main ensemble pour si mes actes la troublaille pour encourager la communauté internationale là voyer force étrangère viennent déployer dans le pays. Et tout autant il a frappé fort, c'est possibilité qui gagne pour Kenya ta rentrée. Gen pile point nous porter pour une nouvelle là pas déconnecter toute nouvelle en créole, c'est sous ce certificat 23 pour journée. Richement, vous êtes tout bien dans la de justice. Richement, commissaire, vous touillez trois innocents. Non, quoi, mine, non. Premièrement, c'est pour qu'il y ait manifesté. Nous prochons fait taxi pendant le bras local, il prend balle. Nous pas jeune justice, nous coopérer. Vous n'y a pas de alors quoi. Les gouilles ont fini, vous touillez bien dans moi pour innocence à tout. Je dis jeune petit garçon. Je dis ça, moi. Un lien. Nous bloquons pour moi, mais vous la bloquons tout là. En moins richement. Moi, on a mes richement, richement pas banoul. En moins richement, moi richement. Voler. Premier bagaille, je tue moun nou. D'accord? Je tue moun nou sans raison. Et troisième bagaille, arrêtez combien moun. Mande pour qui ça ou pas, pour qui ça y arrêtez. Non, pour moi-même que, monsieur pas un bandit. Donc, je ne pas arrêter quoi que, un bandit est capable de venir rentrer là, Masseline, tant qu'on a dit que, il rentre pour la vendre bolette non banque. Donc, c'est non banque qui prend l'élément, ouais, monsieur est venu à tirer. Et puis pendant ce temps, sortir d'un bac là pour le courir, pour retirer quoi. Et puis, on fait tout sous lui. Moi-même, ça m'a dit, et parce que je ne vais pas respecter mon nom. Et non seulement ça, tout une grosse série de policiers ils ont servi comme d'habitude pour qu'ils battent formation. Si on était pour formation, il y a des bagages à faire, ils vont faire la façon de faire là. Imaginons un jeune garçon qui a vécu, qui a vendu une banque bolette. Ça, il faudra vendre dans l'heure. Ça, c'est peut-être pour être capable de possibilité pour vendre des gens qui peuvent aller dans le jardin bonheur.
C'est ça que fait des calmes dans la banque pour être abonné comme ça. Vive attention dans cette ville Port-au-Prince pendant tout week-end dans Badelma. En bas la ville, t'es gagné pile coup de balle qui tape chanté pendant tout week-end. Gagné coup de balle qui tape chanté dans Badelma. J'en ai dans un maudit la saline. Riverain monde qui habite dans zone ça avec monde qui qu'on habitué faire route ça a été impossible pour yo tellement t'es gagné coup de balle qui tape chanté. Habitat yo tape vive dans la pérèse. Activité ont été paralysée dans certains secteurs. Commerce a été obligé fermer porte yo à cause des situations qui t'est gagné en bas à la ville et puis en bas à Delma pendant tout week-end. TPI, l'Espagne, Yodi, Yopote soutien yo avec force multinationale, ça, qui t'a supposé rentrer en pays, on a appelé gagné au moins yo 12 pays. Qui était déjà dit il est prêt pour faire partie force multinationale. L'ambassade d'un pays d'Espagne a été annoncé soutien par pays dans cadre des missions sécurité. Sergio Cuesta a fait déclaration ça dans cadre 12 octobre qui était marqué journée hispanité qui fêtait à Port-au-Prince. Activité na activité ça pour le ministère Henri membre gouvernement accord diplomatique et puis au conseil de transition était présent pour occasion. Sergio Cuesta t'a rappelé engagement pays là pour soutenir force internationale en appui avec PNH qui vit qui était recevoir bénédiction Nations Unies Espagne à bail soutien la force ça même j'ai été annoncé ça dans mois septembre dans New York à travers ministère affaires étrangères yo. Cependant succès mission ça li a pas abouti seulement si peuple haïtien seul protagoniste puis unique décidé avenir engager pour uni puis rallier sous objectif clé parmi yo un accord politique qui pillage possible cap permettre organisation élection en appuyant d'après un diplomate là. Il y a un DG PNH France Belli rencontré sous secrétaire général Nations Unies pour Europe, Asie centrale et Amérique là. Directeur AI Police nationale d'Haïti à France Belli, il était gagné en rencontre avec Miroslav Janka sous secrétaire général Nations Unies pour Europe, Asie centrale et Amérique là. Quand ça a déroulé samedi 14 octobre 2023 dans sa conférence DGPNH là dans Clercine délégation ça qui était gain là-dedans le Miroslav Janka sous secrétaire général des Nations Unies madame Maria Isabel Salvador représentante spéciale secrétaire général organisation des Nations Unies en Haïti à chef bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU et l'autre personnalité encore pendant rencontre ça commandant en chef PNH là Francel B lui-même qui était accompagné avec divers membres au commandement PNH là, donc a été présenté situation sécuritaire actuelle pays AP qu'on est dernier temps ça y est également on a discuté avec la délégation ça autour projet renforcement capacité institution policière et déploiement prochain mission multinationale appui avec sécurité à PNH là dans l'idée pour capable bataille contre gang capeta et banda dans un pays à n'a pas rappelé tout yo te chita parler sur question ça côté résolution qui te prend ça relé 2699 là dans conseil sécurité union dès octobre 2023 passé n'a toujours été sous même dossier ça puisque c'est pas seulement sous secrétaire DGPNH a rencontré sous secrétaire général Nations Unies pour Europe Asie centrale Amérique là mais tout l'été chita parler avec délégation ambassade d'un pays la France dans salle conférence direction général la directeur général à IPNH M. Francel B accompagné membre au commandement te gagne une importante réunion avec une délégation ambassade d'un pays la France général armée régie Colcombe chef direction coopération sécurité et défense là commissaire général Henri Castet attaché sécurité intérieure ambassade de France en Haïti colonel Sébastien Dordain chef bureau monde des DCSDA commandant Cédric Rebio expert technique international CSD en Haïti avec Madame Elodie Weiss, rédactrice pour Haïti dans bureau Amérique à ministère affaires étrangères français. C'est même ça qui était composé délégation ça. Par la rencontre ça, question qui était liée avec renforcement PNH ça, dans cadre coopération française en termes de formation, dotation matérielle, équipement, c'est quelques points qui était parlé dans cadre réunion c'est là. Rapport qui gagne pour avec question sanctions ONU contre diverses personnalités haïtiennes.
matin gagné pour adopter 19 octobre Capéville document ça lui-même qui a gagné gros palier en pile par rapport avec nom qui prend le cité là-dedans nous prenons dans l'autre information dans le journal là Jean-Willem Sévin nous parler avec les questions insécurité a toujours réaction dans divers secteurs dans la vie nationale là sous un phénomène insécurité captaille bandan dans pays nous a te permettre tout gain information sous diverses rencontres directeur général PNH a fait avec diverses personnalités après ça nous te baou information sous gros intention qui te gain pendant tout week-end en bas la ville Badelma gain dirigeant groupe intégré pour développement Haïti qui critiquait comportement les pères vagues pour le ministère en différents problèmes population a fait face à depuis plusieurs années tant que la misère et insécurité l'état politique là qui dénonçait complicité communauté internationale là quoi un moment arrivé pour peuple à lever camper pour lever camper contre pouvoir en place là en côté frère qui file derrière dans micro Josué Belamou. Nous avons pour venir avec Frankie Fielder, nous pourrons aller avec Esaü Bouchard, toujours question insécurité qui réagit sous ça. Nous pourrons aller avec Esaü Bouchard, ces communautés internationales là, notre tête codée à pouvoir, qui provoquent insécurité pour favoriser débarquement en force militaire d'après coordonnateur et groupement organisation politique opposition. Esaü Bouchard, dirigeant politique de son tableau noir, coulant que la situation population dans le quartier populaire, il était profité critiquer la police qui tournait un compagnie taxi pendant certains policiers honnêtes par jeune moyen pour répondre à besoin. Ancien magistrat Cité Solaire a exigé départ. France LB, notre PNH, en côté, à intervention Esaü Bouchard. Les nous considérer le phénomène d'insécurité généralisée, les nous considérer la misère, les nous considérer le chômage, les nous considérer gabegie administrative qu'a fait dans le pouvoir Ariel Henry. Les nous considérer corruption total capital. Les nous considérer sens de responsabilité que on pas prend dans dossier ces domaines. Les nous considérer ensemble problème ça yo, nous même au niveau OSPO, nous vinn porter un cri d'alarme pour dénoncer problématique qui gagne dans le pays. Dans sens ça. Les n'a garder état moun yo a vivre dans quartier populaire. Belé, Solino, La Saline, Cité Soleil et La Trier. L'en garder pour nous Jean pouvoir criminel ça. Pas jamais organiser élection, pas jamais prendre responsabilité pour permettre que si moun yo a l'école dans quartier populaire. Pas jamais prendre responsabilité pour permettre que population suspend courir en bas nèg exam que ce soit moun Canaran. Moun Kafoufei, moun Onaville, moun Bon Repos, moun Sousmatla, moun Cité Soleil, moun Solino, moun Belè. Lè n'ap gade pou nou wè, comment même pouvoir tremper fond dans phénomène d'insécurité généralisée qui est là. Lè n'ap gade dérive, la police a tourné et la police a tourné yon san décarrelé, yon taxi mot taxi, yon compagnie de taxi, côté que blindé yo c'est moun n'ap fait passer pour l'argent. Cependant, il y a divers policiers honnêtes qui ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent pas mener madame à l'hôpital. Cependant, nous même au niveau OSPO, nous demandons pour qu'il y ait un bon traitement pour les policiers, pour des agents 1 passer à 50 000 gouttes, plus pour le 4 débit. Dans ce sens, nous demandons l'autre leadership dans la tête de la police, parce que les gens qui sont dans la tête de la police, France LB sont irresponsables, même gens avec Ariel Henry. C'est ça que fait. Monsieur, ça a été un plan à travers l'Occident. Ouais, ils ont traîné nous pour que Blanc vienne là. Ils ont traîné le phénomène de sécurité généralisée. Ils ont alimenté à travers le chef cabinet, le ministre de l'Intérieur, qui en même temps tout, qui est directeur général Faes. Quand il y a un cop, on ne peut pas pour faire des ordres. Quand il y a un cop, on ne peut pas pour assassiner militaires conséquents. Quand il y a un cop, on ne peut pas. Voilà, l'autre information, on a pu partager ensemble avec vous, cabinet Kenya, yo approuvé vendredi passé à déploiement 1000 policiers pour capable diriger mission multinationale la paix en Haïti. On a l'idée pour capable lutter contre la violence gang yo. Décision ça, li doué encore ratifiée par le Parlement kenyan, selon ça, la presse locale rapportée. Cour suprême Kenya, yo te campé pour voyer troupes sa yo,
après qu'il a approuvé ça dans le Conseil de sécurité ONIAN quelques semaines jusqu'à ce qu'il y ait lumière qui fait sous dossier ça pour examiner jusqu'à 24 octobre, jeudi passé. Ministre intérieur Kitouré Kindiki a déclaré devant la commission Assemblée nationale approbation parlementaire qu'il était nécessaire pour capable de voir les troupes dans le pays. Bon côté par l'inspecteur général police dans le pays Kenya, j'ai fait quoi, m'li confirmer et formation. Il a commencé pour un premier contingent officier capable de venir en Haïti. Force maintien la paix, ça, qui a été dirigé par Kenya. Il était approuvé par résolution Conseil de sécurité ONIAN de octobre 2023 par CA. Ben, fond qui a contribué pour venir force là en un pays. Donc, contribution, ça, yo volontairement par États-Unis. Il a engagé pour capable bailler environ 200 millions dollars américains pour capable corriger force là qui a pu venir dans le pays. Déclaration Rosemont Jean, les mêmes après note Hardy, mettez dehors Rosemont Jean, les mêmes qui réagit dans micro radio Omega, coordonnateur général Fonds National, organisation résistance pour Haïti Stabac démocratique. Là, vous j'étais bien loin, notre secteur privé à mettez dehors qui a pillé résolution Conseil de sécurité Nations Unies, ils ont communiqué qui anti-peuple d'après un militant politique là qui fait qu'on aime secteur privé ça pas gagne aucun intérêt dans le pays. Heureusement j'en rappelé, c'est même secteur privé ça international là sanctionné pour implication dans la corruption avec instabilité politique dans le pays. Heureusement j'en ai micro Josué Bellamont. Premièrement, moun sa ou kap fè not soti nan non pèp ayisyen, yo pa des ayisyen. Yo pa ganyen ki liye yo a peyi a, e tout enterre yo pa an de peyi a. Son politik pran sa peyi a genyen, voye nan peyi yo ke yo pratike. E se sa ke ou valen kont, nan tout konferans, nan tout batay kap fè pou remobilizasyon l'armé, ki se yon aksyon de souverènte, ou apwè la republike, et ou apwè Monsieur dame, homme d'affaires, secteur privé haïtien, pas jamais encourager ça. On va encourager la sécurité dans le pays, on va encourager la stabilité dans le pays, parce que d'après le président Jovenel Moïse, c'est dans l'instabilité riche. D'abord, la preuve, vous regardez dans le secteur bancaire, que vous baron, banque en Haïti a sanctionné pour qui ça? Pour vol, viol, kidnapping. Et pour financement des gangs, pour financement violence, ça veut dire que c'est des gens qui impliquent dans des bagages graves dans le pays, qui n'ont aucun intérêt, aucun lien qui lie à le pays. D'ailleurs, on voit tout business sur gain, vous mettez un conseil qui marque, vous mettez un placard qui marque Conseil honoré. Tout ce sont des conseils honorés. Conseil honoré n'a pas de qualité pour fouiller le boucher dans les affaires internes du pays. C'est voler ou venir voler dans le pays, c'est des champions ou venir déchampier sa pays à te gagner, là où tu descends bateau, là où tu te payes pour terroriste, pour sac malhonnête, ça pied au descend bon bout de mer, tu m'as l'air tolé dans le pays, et puis ils traversent en bas de Boussal, ils touchent à chanter pour les chita là, ils connaissent complexe haïtien pour les blancs, et bien sous bazar, ils viennent multimillionnaires, je dis à ils viennent riches. C'est peut-être ça, je dis là, nous-mêmes nous disons, ils n'ont pas de qualité. Pas de statut, pas de droit pour boucher dans l'activité politique pays, jusqu'à ce qu'il y ait sollicité intervention en pays. Nous-mêmes nous disons, si les États-Unis et l'Union européenne dépensaient plus de 100 à 150 milliards de dollars pour garantir, pour permettre l'Ukraine garantir sécurité territoriale, pour permettre l'Ukraine garantir indépendance souveraineté. Alors que, comment pour même États-Unis ça, pouvait payer, à l'acheter l'armée pépé, à l'acheter police pépé, soi-disant pour une baille sécurité en Haïti.